Merci, l'ami, je descends ici. Ça peut pas être lui. Ta gueule, toi! Vous n'allez pas nous abandonner ici? Si. Mais on vous a payé d'avance. Faut jamais payer d'avance. Tom, il est revenu. Et regardez les gars, il sort du bain celui-là. Eh ben, ça lui fait pas de mal. Allez, non, pour une fois qu'il sent la rose. Hé, hey, Tom, tu sais qui est revenu? Tu l'as déjà vu peut-être? Oui. Il est beau, plus beau que jamais. Il est beau, plus beau que jamais. Ben... Bois, Tom. Non, merci. Je vous joue une tournée au couteau. Celui qui le met dans la cible boit. Ah oui, ça peut être marrant. Celui qui la rate paye. Non, 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 je vous en prie, c'est une image sacrée. Alors, quelqu'un peut faire mieux? Oui, moi, beaucoup mieux. Eh ben, vas-y. Allez.
Vous avez entendu, il a dit que pour lui, elle est sacrée. Hein? Prends garde, ce sont les hommes d'hormones. Ton slip est aussi rose que ta tétine. Tu sais pourquoi ma tétine est rose, petit? Non. Parce que quand ma maman m'a donné le jour, elle espérait que je serais une petite fille. Monsieur Hormone ne va pas être content du tout. Ma, ferme tout et n'ouvre à personne. Slim est revenu. Ça va, Tom? Cette fois, je vais te tuer. Tom, qu'est-ce qui te prend? Le frère de ton papa était mon papa. Oui, c'était frère, mais pas nous. Oh. Allons. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Oh, Tom. T'as oublié son anniversaire? Je t'ai apporté un cadeau. Bon anniversaire, ma. Oh, tu as fait des folies, mais si. Moi aussi, j'avais un cadeau pour toi. Et plus beau que le sien. Et un fanfaron l'a envoyé au fond du fleuve. Où tu l'as pris? À Manille. Tu sais où c'est, bien sûr? Bien sûr que je sais où c'est. C'est là où il y a plein de prennes savates comme toi. Alors retourne-y, parce que maintenant, ici, on travaille. Ah, le beau travail. T'avais juré à ton père de plus chasser les animaux. T'es un parjure! Si je suis ce que tu dis, c'est mon père et moi que ça regarde. Tu sais combien m'a coûté ton action d'éclat? Elle m'a coûté au moins 50 livres sterling. 50 livres sterling? Ouais. Et 50. Aïe, yahoum! Tu as vu, Slim est revenu. Viens, Slim, pourquoi tu t'assieds pas? Tu veux manger quelque chose? Je suis sûr que tu ferais fortune. Tom, je te fais un œuf sur le plat. Deux. Je suis content de t'en voir, Tom. Moi aussi, je suis content, Slim, tu t'en doutes? Ouais. Et t'arrives juste au bon moment. Les affaires marchent le feu de Dieu. Vraiment? Ah oui, le tourisme a fait son apparition ici. On pourra peut-être s'associer. Parce que moi, j'ai déjà une agence. Pour touristes? Bien sûr. Et il en vient beaucoup, les touristes? Beaucoup. Ça n'arrête pas. Oh, tu en as vu, toi. Il en vient jamais. D'accord. OK. J'allais justement acheter un nouveau car. Tu verras, il est rouge et bleu et il vaut que 408 livres. Alors, c'est une occasion, ça. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal au ventre. Qu'est-ce que tu as mangé hier soir? Et de l'agneau, mais pas beaucoup. Elisa. Tu n'as pas honte. T'as roulé au pied de Slim, allumeuse. Oh, quelle actrice. Non, je t'écoute, continue. Non, après, bon. Excuse-moi, Samson, je suis occupé. Va voir le docteur. Mais tu dis toujours que c'est un charlatan. Oui, mais pour une petite colique, le docteur est bien suffisant. Va. Et si tu le dis? Tu vois que t'avais faim. Après, je te raconterai tout. C'est grave, docteur? Ça peut l'être, on ne sait jamais. Ah, allez, va, c'est rien. Mais docteur, j'ai mal au ventre. Va trouver ma. Tu dis que c'est un charlatan? C'est vrai, mais pour une petite colique, elle suffira bien. Slim! Ça me fait plaisir de te revoir. Moi aussi, docteur. Où étais-tu? Là, dans la nature. Mais qu'est-ce que tu y faisais? Rien. Ah, je l'aurais juré. Et toi, comment ça va?
Comme ci, comme ça. Ma essaie de me chipper des clients avec sa sorcellerie. Mais elle a du mal maintenant avec la pénicilline. Ah, j'ai lu le journal accroché dehors. Ça te plaît, Slim? Tu tires à combien d'exemplaires? 2. Les hommes dormants m'arrachent régulièrement le premier et moi, je remets l'autre. Mais qui les lit? Oh, presque personne, mais ça ne fait rien. Un jour, mes compatriotes apprendront à lire. Qui est cette hormone? Un tyran. Un vrai gangster. S'il continue comme ça, dans quelques années, il ne restera plus un seul animal. Il en tue quelques-uns et surtout, il en exporte. Les éléphants ont déjà tous disparu. Mais pas les papillons. Merveilleux. J'en avais encore jamais vu comme celui-là. Excusez-moi, monsieur Hormone. Vous ne vous souvenez pas de moi? Quand vous avez été champion du monde, j'étais là. Voilà, juste à côté de vous. Vous me reconnaissez? Tu t'es pas arrangé, hein? Eh ben, je suis malade, vous pourriez pas me faire entrer à l'hôpital. Moi, c'est le cimetière. Qui l'a laissé passer? Il a dit qu'il était un ami à vous. J'ai pas d'amis. Je m'occupe de lui. Bonjour, monsieur Hormone. Je suis prêt. Mais on verra ça après, hein? Comme vous voulez, monsieur. Monsieur Hormone, je peux commencer la lecture du journal? Oui, vas-y, ça va m'exciter. Eh bien. Ce beau pays, Dieu l'a fait riche. Personne ici n'a jamais eu à se préoccuper du lendemain parce que nos ressources étaient considérées inépuisables. Mais un jour est arrivée cette crapule d'hormone. Un homme riche et puissant, si puissant qu'il corrompt les autorités chargées de défendre la loi. Et là commence son œuvre de destruction sur cette terre heureuse. Mais je ne vous apprends rien de nouveau. Vous connaissez le personnage. Mais il y a mieux encore. Voilà que maintenant, ce louche individu s'est mis dans la tête de vendre tout l'ivoire du territoire. Il fait une chasse sans merci à nos éléphants qui, une fois privés de leur défense, se font tuer en remerciement. Monsieur Hormone n'est pas seulement un voleur, mais aussi un bandit. Un corrupteur et un profiteur. Soit, en d'autres termes, un être malfaisant. Et t'as pas autre chose à lire? Là, des vexations. Qu'est-ce que c'est que ce pantin? Ça va pas, les gars? Envoyez-moi un autre. Bon, allez, viens. Hurle la ferme. J'en ai assez entendu. On va le faire taire, celui-là. Portez-moi la carte. Viens là, toi. J'ai besoin des terrains qui sont en dessous pour que les navires accostent. Il y a 4 malheureuses baraques, enlevez-les de là. Mais il y a des indigènes dedans. L'Afrique est pleine d'indigènes. Un de plus, un de moins. Mais ils veulent pas partir. À vous de les convaincre qu'ils ont tort. Tu sais comment faire avec les indigènes? Alors fais-le, mais que ça ait l'air d'un accident. Hé, hey, vous là, vous partez d'ici. Mais monsieur, où je vais aller avec ma famille? Où vous voudrez. Il y a de la place en Afrique, vous savez, il y a que l'embarras du choix. Non mais regarde un peu où il a construit sa maison, celui-là. L'imbécile, il a choisi juste le bon endroit. Allez, on va lui rendre une petite visite. Et vous autres, laissez-moi faire, vous en voulez pas. Hé, hey, si tu sors pas de là tout de suite, on va te démolir avec ta baraque. Allez, vas-y. Le chef a l'air d'avoir des problèmes. Écarte-toi. Chef! J'ai pas l'intention de vendre. Vous en mêlez pas. Monsieur Hormone te le demande gentiment. Il peut t'exproprier quand il le veut dans l'intérêt public. Alors tu ferais mieux de déguerpir tout de suite. M'exproprier dans l'intérêt public? Ça serait pas plutôt dans l'intérêt de Monsieur Hormone? On a la loi pour nous.
Maintenant, ta loi est tombée à l'eau. Vous en mêlez pas. Et ses chefs, on s'en occupe. Hop, hop. À nous deux. Je te donne 10 livres si tu pars. 40. Aïe. 60. Aïe. Je peux pas aller plus loin. Je suis sûr que si. Oui, la ratée, là. Ah, encore un karaté. Ils vont vite, hein. Au moins plus de 130 à l'heure. Mais Animo avait l'air pas bougé. Ils avaient l'air seulement. Vous jamais arrêtez votre autocar inconfortable? Vous êtes fou, la brousse est trop dangereuse. Nous chasser pour danger. Moi, pas. Quand je chassais en Inde, le matin, je tuais mon tigre et l'après-midi, mon éléphant. Et tout ça, les jours de la semaine. Sauf le dimanche. Et tu as le tout fait de dire à quoi on doit se tenir sur la réserve. Mais je crois pas qu'il parle du tout de même chose que nous. Mais j'ai payé très cher, ta famille, la répétition, et t'as même servi. Tu n'es pas venu ici pour faire un safari photo. Même ça, vous risquez pas ici, il grève toujours le vent. Mais il n'a même pas les routes de secours. Lui est un escroc. Il va falloir encore de la vie. On commence à faire tout le chemin. Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Ah, j'ai compris. Tu voulais que l'assurance nous paie un quart neuf, hein? Mais je suis pas assuré. Tu n'es pas assuré? Non. C'est dommage. Tu sais, tu me plais pas comme associé. Et en plus, j'ai horreur quand tu les animaux. Bah c'est ça, maintenant que tu es riche, tu crois pouvoir faire tout ce qui te plaît. Moi, riche? J'ai pas un sou en poche. Pas un sou en poche. Mais quand on a parlé de... J'ai rien dit. Oui, c'est vrai, t'as rien dit. Mais moi, j'ai acheté le car. J'ai donné ta parole. Ma parole? Oui, ta parole. Pour 408 livres. Merde, mais pourquoi je t'ai écouté? Qu'est-ce qu'il va payer maintenant? Et puis, si tu veux savoir, les chasseurs n'auraient même pas tué un lapin. Parce que les fusils, ils sont chargés avec des balles à blanc. Tiens, regarde. Oh! Des balles à blanc, hein? Sayonara! Putain de mémoire! Et merde! Oui, dans nos fusils, vous mettre balles à blanc, hein? Pas joli, ça vous, vilain escroc! Ah, oh, non, non, ok. Ah.
Mais qu'est-ce que tu fais, Ma? T'es pas malade? Remets tout ça, Ma. On n'a pas les moyens. Mais tu oublies que Slim vient déjeuner, Tom. Il viendra plus. Avec moi. Qu'est-ce que tu fais dans cette baraque? Pourquoi? On doit la démolir, à moins que tu aies quelque chose contre. Et si j'avais quelque chose contre? À vous de jouer. Et de vous à moi, chef. Ce type-là a une méchante droite qui vaut bien 50 livres. On te donne 50 livres et tu fous le camp. Moi, je vous la donne pour 408 livres. Quoi? 408 livres pour cette baraque? Tuons-le. De quoi tu te mêles, demi-portion? Ah, attendez une minute, nous devons céder à aucun prix. Vous voulez revenir chez Hormone les mains vides? Autant commander nos obsèques. Et il n'y a qu'une solution, tuons-le. Bon, écoutez, si vous voulez le tuer, moi, j'ai rien contre, mais c'est pas le Pérou. Alors, on le tue, oui ou non? On paie. Non, alors? D'accord. Mais tu donnes ta signature avant. Où ça? Ici. Allez, tire-toi. Alors, on peut démolir maintenant. Certainement. Mon nom. Ce car, tu l'as acheté avec l'argent de ma maison. Bon, d'accord. Mais c'est moi qui commande. Ah, si tu veux commander, commande, mais te mets pas en colère. Hein? Tiens, donne-moi 5 livres, associé. Merci, associé. Après ça, il n'y a plus rien. Hein? Ah. Où tu vas? Non, pas ça. Désolé, monsieur, vous avez perdu. Et monsieur, lui, a gagné. Tenez, voilà. Le jeu recommence. La dame gagne, les valets perdent. Attention! Ah! Faites au jeu. Bravo, vous avez encore gagné. Je recommence. Le valet perd, la dame gagne. Attention, la dame. Faites vos jeux. Vous êtes fort. Merci. Eh, tout en va sans lui donner sa chance de prendre sa revanche? Lui va lui donner 50-50. 50-50. Toujours la dame qui gagne. Attention. Suivez la dame. Sim, on a gagné combien? Attends, j'ai pas fini de compter.
30 petites livres. Ah. Où on va? Bah, investir, tiens. Quoi? Hé, la porte. Porte. Alors. Hein? Salut, Jason. Salut, Slim. Salut. Salut, Tom. Dis donc, Jason, Tom et moi, on voudrait faire passer une annonce dans ton journal et bien placée, si tu vois ce que je veux dire. 30 livres, ça suffirait? Je ne passe pas d'annonce, Slim, je regrette. Tu peux peut-être faire une exception pour nous. Non, c'est pas possible. C'est contre la politique du journal. Donne-moi ma part. La porte. La porte. Ferme-la. Surveille la cuisson. Et... C'est toi qui imprime ça? Oui. Monsieur Hormone n'apprécie pas du tout les choses que tu écris sur lui. Il m'a envoyé te prévenir. Il va finir par perdre patience. Oh là, cette fois-ci, ça devient sérieux, Tom. C'est un nouveau, celui-là. Et il n'a pas une tête à plaisanter. Hein? Rappelle-toi, plus un mot désobligeant sur Monsieur Hormone. Vous êtes juste venu pour me dire ça? Ouais. Eh bien, c'est fait, vous me l'avez dit. Tu vois, ça me fait de la peine que tu prennes les choses comme ça. Moi, j'étais venu seulement te donner un conseil d'ami. À table, Toubib, c'est prêt. Ah, mais on te dérange peut-être, tu as des invités. Vous n'avez pas faim, vous, les gars? Le docteur nous invite gentiment. Allez prendre la poêle. Oh. Non, non, encore une seconde. Piu, 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 tu aimes? Mais dans la poêle, il y avait une omelette, non? Oh. Oui, mais elle était trop salée. Alors, il faut que je me fâche, peut-être? Si t'aimes ça. Oh, monsieur Muscle. C'est de la gonflette, ça. On essaie encore une fois? Ouais. Magne-toi un peu, Slim, je crève de faim. Bon, j'espère que j'ai été clair. Ah oui, lumineux. C'est pas raisonnable, docteur. Il sera pas content, monsieur Hormone, quand il lira ce que t'as écrit sur lui. Eh ben, c'est simple. Vous n'aurez qu'à pas le faire lire à monsieur Hormone. C'est tout vu. Que ceux qui ont faim me suivent. La porte. T'as pas besoin d'un coup de main? Qu'est-ce que tu sais faire? Moi? Rien. Tu changeras jamais. Oh là, ça va comme ça. Docteur! Moi, elle m'a guéri. Comment a-t-elle fait? Elle a dit trois mots magiques et j'ai fait un gros caca tout noir. Mais pourquoi tu penses être route? Parce que c'est plus court.
Et puis parce que c'est moi qui commande. Il faudra une petite heure pour réparer. En attendant, vous pouvez visiter le village. Vous ne courez aucun danger. Les sauvages sont pacifistes. La civilisation n'a encore jamais pénétré jusqu'ici. Ils n'ont pas été gâchés par notre société de consommation. Et associé, et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la publicité. Non, je ne peux pas le vendre. Ça me vient de mon père et du père de mon père et du père de mon grand-père. Alors, je t'en donne 5 livres. Moi, je t'en donne 10. Non, je peux pas le vendre. Il me vient de mon père et du père de mon père et du père de mon grand-père. Ah, je peux pas le vendre à moins de 20 livres. Voilà 20 livres. Je prends. Combien? 20 livres. Ah, ok, j'achète. Oh, il n'y a pas d'autre mot. C'est beau, hein? Et combien vous prenez ça? 20 livres. 20 livres. Qu'est-ce qu'on a pour 20 livres aujourd'hui? Tiens, Tom, c'est pour toi. Moi, j'aurais obtenu plus. Combien exactement? Oh, au moins le double. Oh, merci. Tiens. Hé, hey, ôtez-moi ce quart de la route. Enlève-le toi-même, les clés sont dessus. Merci. Il me faut au moins le double. Oh, bon, bon, viens chez nous ce soir, on se mettra d'accord. Hé, hey, Tom, on est en train de te voler ton car. Mais dépêche-toi, sinon ils vont partir avec. Sors de là, toi. Ce coup-ci, il faut les réduire en miettes. Oui, en miettes. Si, c'est toi qui m'avais dit d'enlever le car. Hein? Ferme ta braguette, toi. Tom! 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 Je serai pas long! J'ai vu faire ça à Bangkok. Tu sais où c'est, bien sûr. Bien sûr que je le sais. Vite! Je le tiens! Ah, monsieur Muscle. Oh. Oh. T'appelles. Attention! Ah,
Comment tu as dit que tu t'appelais? Stella. Ah, tu as un joli nom. Oh, la bande! Allez, grimpez, dépêchez-vous. Allez, tire-toi. Je voulais te dire, Tom, on se connaît depuis un bout de temps, tous les deux. On a fait quelques bonnes petites affaires ensemble. Alors, je me disais qu'on pourrait peut-être s'associer, toi et moi. Le tourisme est en pleine expansion. Je te donnerai 20%. Il me faut au moins le double. Bonsoir, papa. Bonsoir, Tom. Viens avec nous, Stella. Quand vous aurez fini de parler affaires. Oui, je me fais du souci pour Stella. C'est ma fille unique. Et tant qu'elle n'aura pas trouvé à se marier, je continuerai à m'inquiéter. Si je devais m'absenter pour une raison ou pour une autre, j'aimerais bien que tu prennes soin d'elle, Tom. Tu es le seul en qui j'ai confiance. Ah, encore une chose. Tu sais, dans notre métier, la tenue vestimentaire, c'est très important. Alors, il faudra quelquefois que tu mettes une cravate. Parle-moi de Bangkok. Bangkok? Bangkok. La capitale du Siam. Le pays sans doute le plus riche d'Orient. Le climat y est malheureusement humide et la population se compose en majeure partie d'Indochinois. Oh. Comme je te le disais, Stella a fait ses études en Europe. Et c'est loin, ça? Hé, hey Slim, tu fatigues pas trop dans cette position? Non, non, ça dépend de qui est sur le balcon. Ciao, Stella. Ciao. Belle soirée, hein? Bye. Ciao. Han. Kono Wanayo. Et ça veut dire quoi, tout ça? Ça veut dire que je vois un grand avenir pour toi. Ce coup-ci, je vais te tuer. Ça va, Tom? Laisse cette fille tranquille. J'ignorais qu'elle te plaisait. Je vous laisse. Elle, je m'en fous comme de ma première chemise. Alors pourquoi tu joues les jaloux? Ça, c'est mes oignons. Oui, mais les oignons de mes amis sont mes oignons. Et Monsieur Hormone me charge de vous dire qu'il serait heureux de vous avoir à déjeuner. Très bien, on ira. Hé, une petite minute. C'est moi qui commande. Très bien, on ira. Salut. Asseyez-vous. Oui, c'est de l'or. Arrivons-en au fait. Oui. Le voilà, le fait. Qu'est-ce que c'est?
De l'argent. Monsieur Hormone, je pense que ces enveloppes ont été glissées sous nos assiettes par erreur. Une grosse erreur. Petite somme, grosse erreur. C'est du caviar. Pêché dans la Volga. Un peu de crème. Un soupçon de sel. Une pincée de poivre. Et quoi? Hein? Et du champagne. Délicieux, comme on dit à Paris. Tu sais où c'est, oui? Évidemment. On dirait des petites crottes de Big Ned. Dessert dans le jardin, entre hommes. Je crois que nous allons nous entendre. Vous me plaisez. Il y a seulement une chose à laquelle il faudra faire attention, c'est à la flexibilité. Parce que ça plie ou ça casse. Vous pigez? Combien voulez-vous? Au moins le double. Ok. Il faut qu'on réfléchisse. Peut-être n'en avez-vous pas compris qui commande ici. C'est moi. Si vous continuez à écouter ce fouille-merde de Toubib et à croire ce qu'il se permet d'écrire sur moi dans sa feuille de chou, vous risquez d'avoir une fin brutale. Je vous éliminerai, lui et vous. T'as dit, vous acceptez mon offre? Non. Voyons, messieurs, vous n'espérez tout de même pas repartir d'ici comme vous êtes venus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Déjeuner était délicieux. Bon.
Allez! Ça fait nager les lions. Je sais pas, moi. Allez, gros, va faire une caresse au monsieur. Non, c'est moi qui te fais rire. Allez, venez! Mais qu'est-ce que vous attendez? Hé! Hey! Non, mais dites, mais où vous allez? Ah, non! Non, 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 non! Ah, avec le mari! Oh non! Oh, je suis allergique au poil! Ah, ah! Non, non, non! Oh, je vais avoir une crise d'âge! Ça y est! Ah, ne me laissez pas là! Au secours! Au secours, ne me touchez pas! Laissez-moi! Je suis allergique! Ah, ah, ah! J'ai bien aimé ta façon d'agir avec Hormone. Ton plan est parfait. Comme toujours. Enfin, si Hormone nous a offert quelques milliers de livres, c'est qu'il prépare une affaire énorme, d'au moins 100 000 livres. Et si c'est pas plus, tu vois pas? Bah, ouais, c'est évident. Salut, je descends ici. Qui veut faire une petite balade? Watch out, it's a lion on my knee. Shut up if you wanna go free. I'm here when you call and I answer you all. Wow, wow, wow. Some people are nice to lions. Some people are nice to hippos. We better think twice, let's try and be nice. Wow, wow, wow. Mr. Man, don't shoot me, don't catch me, don't take me away. It's here where I live, let's forget and forgive. Row, row, row. Et Hormone, comment il a pris ça? Oh, beaucoup moins bien que ces animaux.
Alors, regarde bien ce jeu. Une, deux et trois. J'enlève la première et puis la seconde. Je jette la troisième et j'en ai toujours une, deux et trois. Mais qui c'est qui t'a appris ce jeu-là? Le hasard. Ah, oh, merde. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a échappé. C'était un timétès vert. Un papillon superbe et cher. Ce papillon, c'est pas celui qui me suivait toujours quand j'étais gosse? Oui, c'est lui, et c'est pas une coïncidence. J'ai toujours pensé que pour se débarrasser d'Hormone, ce qu'il nous faudrait, c'est un type comme toi. Déjà, même quand tu étais enfant, tu ne pouvais pas supporter l'injustice. Tu te rappelles? Et maintenant... Il est trop beau. Tu n'as pas changé, Slim. Ciao, Tom. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui, moi? Ah, rien du tout. Je me promenais, je pouvais pas dormir. Tu pouvais pas dormir. Tu vois la crapule que c'est, cette Hormone. Regarde ces éléphants. Ils valent une fortune. Et ils voulaient même pas nous donner le double. Tu vois? C'est le pays où ils les envoient? Regarde ça, Canada. Tu sais où c'est, oui? Bien sûr que je sais. Pas besoin de frigo au Canada. Ah oui, c'est un avantage. Mais ici, on n'a pas besoin de chauffage. Sors. Sors, petit. Je te les laisse. Hey, dehors, tout le monde dehors. Hey. Hey, Eric. Voilà, vous êtes libre. Hop là. Allez, sortez de là. Ah, c'est beau la liberté. Ils t'ont repris. Allez, fous le camp, hein. Allez, joue pas les hypocrites. Regarde, ils viennent droit sur nous. Il n'y a pas la place pour deux, ils vont s'arrêter. Tu parles qu'ils vont s'arrêter. Thank you.
va pas le camion. Où ça? Plus. Ils sont cuits, les freins. Oh merde. Et comment on va s'arrêter sans frein? Hey. De quel côté on va? Non, attends, t'affole pas. Ah oui. Oui, maintenant je me souviens. Il y a une petite route à droite, tu tournes à droite. Petite route, j'en foutrais. La parole, s'il est pas mort, moi je l'achève. Reste tranquille. Tu n'as plus confiance en ta vieille ma, Slim? Un peu de teinture d'iode, c'est tout ce qu'il me faut, ma. Oh, c'est ce qu'emploie le docteur pour empêcher les gens de me guérir. Ma Kunst. Je fais ma Kunst. A cause ma Yasavum. Kunst, Yasavum. Kunst. Kunst. Ma Kunst. C'est à vous, ma Kunst. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais on n'a plus de cœur. On est ruiné. T'aurais dû prendre une assurance, Tom. Mm-hmm. Ça suffit maintenant. Il est temps de vous conduire en homme. Ce sont les pistolets de vos papas. Prenez-les et faites ce que eux auraient fait. Oh. Ils auraient réglé ça comme ça. Bonne idée. Mais moi, j'en ai une meilleure. Oh, hold up. J'arrive tout de suite. Vous désirez, messieurs? Donnez combien pour ces deux pistolets? Je regrette, monsieur, mais on ne peut pas entrer sans cravate. Oui, ça se fait pas. Ok. Maintenant, j'en ai une. Mais c'est la mienne! Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur.
C'est quoi ton idée? Tu vas voir. La main est à la banque, messieurs, dames. Et je joue depuis 2 heures. Voilà, madame. Sans gagner. Vous vous rendez compte? Oui, madame. C'est à la banque. La banque a gagné. Madame. Et ça, ça se fait aussi? Bah, quand on est gentleman. Le sabot est toujours à la banque. Ça, je sais ce que c'est. Merci. Banco, 2000 livres. Messieurs, dames, qui dit banco? Allons, messieurs, dames, qui dit banco? Messieurs, dames, qui joue contre la banque? Un banco de 2000 livres. Je joue avec la table. Très bien, madame. Carte à la banque. Monsieur, votre femme vous cherche. Merci. J'en dis tout de suite. Vous en prie, monsieur. Excusez-moi, monsieur, le minimum est de 20 livres. Banque, s'il vous plaît. Quoi? Un peu de silence, messieurs. Carte pour madame, s'il vous plaît. Merci. Elle a 2 cartes noires. S'il vous plaît, carte à la banque. 8 à la banque, la banque gagne. Le banco est maintenant de 3000 livres. J'aime pas du tout ce jeu. On gagne jamais. Mesdames et messieurs, le banco est de 3000 livres. Qui dit banco? Ce jeu est bien ennuyeux, vous ne trouvez pas, madame? Oh, absolument. Ce jeu ne m'excite pas du tout. Alors, pourquoi pas en changer? Excusez-moi, monsieur, mais... De quel droit se permet-il? Ce jeu vous fera frémir, madame. Monsieur le directeur! Ah! Mesdames et messieurs, ce jeu porte un nom prometteur. Trouver la dame. Le 10 perd. Et c'est un nouveau jeu. La dame gagne. Trouver la dame. Trouver la dame? Mmh, tu connais ce jeu? Le 10 perd. La dame gagne. Et la dame gagne. Vous voyez, c'est simple, la dame gagne et le 10 perd. Regardez bien, la dame gagne. Celui qui gagne double sa mise. Faites vos jeux, mesdames, messieurs, je vous en prie. La dame gagne. Trouvez la dame. Je crois que c'est la première. Allons, n'hésitez pas, faites vos jeux. La dame est là. Oui, j'en suis sûre. Vous en êtes sûre? Mmh. Oh. Oh. Ah. Désolé. Je suis trompée. Je vous en prie, mesdames, messieurs, le jeu continue. Attention, la dame gagne et le 10 perd. Suivez bien la dame. La dame gagne et le 10 perd. Attention. Trouvez la dame. Faites vos jeux, je vous en prie. Celle du milieu. Il a raison, c'est celle du milieu. Pas de jetons. Rien que de la belle monnaie sonnante et trébuchante. Je n'ai que des jetons, moi, c'est de l'argent. Oh, tout cet argent. Oh, elle est extraordinaire, c'est incroyable. Cherchez la dame gagne. Regarde bien ce coup-ci. Faites vos jeux, messieurs. Trouvez la dame. Messieurs, je vous en prie, la dame gagne.
Une seconde, je veux contrôler. Mais c'est votre droit. Le monsieur a perdu son calme, ça peut arriver. Il a tué la dame, nous allons la ressusciter. La carte. Non, toi, t'es morte. Le jeu reprend, mesdames, messieurs, attention, regardez bien. La dame gagne et le 10 perd. L'œil est rapide, mais la main agile. Où est la dame? Je joue 1000 livres sur cette carte. C'est le jeu, monsieur Hormone. Et le jeu reprend, mesdames et messieurs. Trouvez la dame. Le 10 perd et la dame gagne. Il y a beaucoup de monde ce soir. C'est scandaleux. Même les Noirs ont le droit d'entrer ici. Mon cher ami, le monde aujourd'hui ne se divise plus en blanc et en noir, mais en riche et en pauvre. Faites vos jeux, le 10 perd et la dame gagne. Bonsoir, Slim. Tout ce qu'il y a sur la table. Tom, on a perdu. Je devrais te tuer. Pourquoi? On peut se refaire. Ah non, on peut pas. C'est moi qui commande. Et je... Non, on peut pas. Fini de jouer. Minable. Tourne, Elisa, il faut aller plus vite. Je vous déclare en état d'arrestation sous des chefs d'inculpation multiple, menace à main armée, jeu de hasard, séquestration arbitraire de personnes, vol, chantage, contrebande, diffamation, atteinte à l'ordre public, etc., etc., etc. Tu as encore réussi à le mettre dans les ennuis. Moi? Ah oui, quoi? Ça va, j'ai compris. Bouge pas. Hey Slim, viens voir.
Viens, petit. Quel beau procès. Ne vous faites surtout pas trop d'illusions. J'ai déjà imprimé le résultat du verdict dans mon journal. Tu vois ce qu'il y a d'écrit en première page? Oui, toi et moi, on est condamnés. Mais injustement. Ce n'est pas difficile à prévoir. La loi, c'est eux. Tout est arrangé. Sois tranquille. Ma n'est pas née d'hier, elle a acheté le juge. Messieurs, la cour. Les accusés sont présents? Oui, votre honneur. Où a-t-elle trouvé cet argent pour acheter le juge? Ma avait des économies. 542, 543, 44 et 5 du code pénal. Elle me l'avait pas dit, la garce. Très lourd. Mais en considération de. Oui. La parole est à la défense. Merci, monsieur le juge. Qui c'est celui-là? À tout procès à son accusé, tout accusé à son avocat. Nous nous en remettons à la clémence de la cour. Très bien, maître. La cour condamne. Tout est arrangé, t'es sûr? Quoi? J'ai dit tout est arrangé, t'es sûr? Oui, enfin, j'espère. On peut plus compter sur personne. Bravo, les gars, faites-moi tout justice vous-même, c'est plus sûr. Vous pouvez pas faire ça à votre avocat. C'est ça. Bien joué, Tom. La plus belle journée de ma chienne de vie. Votre honneur. Tom, Tom, on se reverra. Je peux compter là-dessus. Je viens. Vous énervez pas, je viens. Enfin des durs, ça fait plaisir. Jusqu'à présent, j'ai jamais été entouré que par des cons. C'est à moi que vous parliez? Oui. Ah. Je voudrais faire quelque chose pour ce malheureux qui a été condamné à perpétuité. Je ne connais rien de plus terrible que de pourrir en prison. Le lynchage à côté, c'est une bénédiction. Ah. Tout va très vite, quelques minutes, et c'est fini. Vous êtes trop bon, monsieur Harmon. Je suis comme ça. D'autant plus qu'on aurait toutes les chances de capturer l'autre aussi. C'est un homme d'honneur, il serait indigne de lui de ne pas libérer son ami. Ah, perfidement génial. Vous pensez à tout, monsieur Harmon. Ils viennent acheter de l'ivoire et des animaux. C'est une grosse affaire, plus de 100 000 livres. Aucun incident ne doit venir troubler cette transaction. Soyez les bienvenus, messieurs. Monsieur Bering. Monsieur Harmon. Et Schultz. Enchanté. Allons le pendre dans ses chariots, on y va. Tout de suite, c'est plus sûr, là. La mort. À
piège est tendu, il va venir. Dès que vous le voyez, tirez. Il ne peut venir que de là, ou de là, ou de là. Oh, c'est un tremblement de terre, sauf qu'il peut. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ben, je pensais. Je me suis dit, je vais dire un petit bonjour à Tom. Belle prison, hein? Qu'est-ce que tu attends pour me faire sortir? Allez, on va nous cassons tous les... Allez, viens le voir! Nous voulons faire justice nous-mêmes! À mort! Oui! Vole-moi! Oui! Écoute, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est après toi qu'ils en ont. Fais pas le soin, fais-moi sortir d'ici. Et arrête de dire des conneries. Me dis pas que tu as peur. Qui, moi? Si. Laissez traîner de bien sa conviction. T'inquiète pas, elle traîne pas. Elle touche pas par terre. Excusez-moi, mais ne croyez-vous pas que les animaux auront des problèmes d'adaptation au Canada? Passer d'un climat tropical à un climat polaire n'est pas évident. Mais non, le Canada est leur milieu naturel. C'est ici qu'ils ne sont pas dans leur climat, il fait beaucoup trop chaud. Vous le croyez sincèrement, monsieur Hormone? Je ne le crois pas, j'en suis sûr. La viande se conserve mieux au froid. Tu marches sur les pieds, et toi tu me les casses. Tout est paré, commandant. Allez, poussez les machines. Bien, commandant. Oh,
C'est bon, hein? On a fini, monsieur Hormone. Bien, nous reviendrons dans 6 mois, monsieur Hormone. Très bien. Bon voyage, messieurs. C'était un plaisir de traiter avec vous. Je suis certain que vous serez satisfait. Je vous attends donc dans 6 mois. Nous descendons, capitaine. Bon voyage. Au revoir, monsieur Hormone. Une seconde. Avant de descendre, monsieur Hormone. Ça vous ennuierait de dire à vos amis de jeter leurs armes dans le fleuve? Jetez-les. Faites ce qu'il dit. Oui, le couteau aussi. Et maintenant, veuillez dire au capitaine qu'il y aura un petit retard. Par là. Regarde, il voyage léger. Attendez une seconde, capitaine. Il y a un petit contretemps. Va avec les autres. Stoppez les machines. Non? Déchargé à blanc. Restez à votre place. Une seconde. Vous êtes poids lourd? Un super poids lourd. Alors c'est lui que ça regarde. Hein? Thank you.
Il suffisait de le pousser. À votre tour, maintenant. Je préfère encore les crocodiles. T'as raison. Il y a des crocodiles dans le fleuve. Juste un ou deux, mais énormes. Et toi? Votre honneur? Puis-je vous demander de vous grouiller un peu? Hey, toi aussi! Dis donc, et moi qui va me payer maintenant? Bah, eux, bien sûr. Oui, il y en a pour 1000 livres. Non, le double. Oh, et même plus. Oh, ce serait bête de les mouiller. Ah, parce qu'on doit aussi... Oui. Mais je sais pas nager. Tu apprendras, hein? Et... Oh, regarde, c'est lui. Encore lui. Ou il n'a pas trouvé la sortie, ou il a un ticket pour toi. Pourquoi tu dis ça? Bah, gardons-le comme fétiche. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On lève l'ancre. Je vous préviens que c'est un acte de piraterie. Vous croyez vraiment? Levez l'ancre. À vos ordres, commandant. Et où dois-je mettre le cap? Sur les îles Maldives. Tu sais où c'est, bien sûr. Non. Hein, moi non plus. Ben comme ça, on apprendra où c'est. En route pour les îles Maldives, capitaine. Et moi non plus, je sais pas où c'est. Vous ne savez pas où c'est? Ma parole, il nous mène en bateau.